Bonjour et bienvenue pour l'épisode 12 du Let's Play sur Dragon Quest Monster Joker 2 professionnel. Alors, par rapport à l'épisode précédent, alors ce n'était pas les champs, enfin les 10 énigmes qu'il fallait répondre pour continuer l'aventure, mais il fallait lui parler à lui une deuxième fois au mécano. D'accord? Et normalement, il va nous emmener au prix, au championnat des dresseurs. Voilà, et on va y être emmené par l'oiseau. Voilà, on va s'inscrire comme dans le 1. On reconnaît les décors. Voilà, on enchaîne les victoires jusqu'à la finale. On va faire que la finale d'ailleurs. Et normalement, on va jouer contre... Moi, je crois que c'est patience. Ouais. Du premier Dragon Quest aussi, sauf qu'elle a plus la même coupe de cheveux. Je crois que c'est elle. Bon, je pense pas qu'elle a sa meilleure équipe. Enfin, va la rebattre plus tard, mais... Voilà, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Un Atlas et un Selmigondi. Bref, ça devrait aller. À peu près le même genre d'équipe que moi. Ouais, par contre, je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que... Ah bon, direct. Hop, il est mort, hein. Ah, c'était plutôt rapide, hein. Alors, je pense que j'ai trop XP mon équipe. Et voilà, le championnat est gagné. Ah ben, il est plus malade. Ok. On est déjà rentré. Et voilà, on les a tous sauvés. Ok, il nous remercie, d'accord. Ah bah tiens, la fin du jeu, déjà. Bah tiens, on voit tous les monstres qu'on a découverts de chaque Dragon Quest. Ah, c'est pas mal ça comme fonctionnalité. Quand j'avais terminé le jeu déjà une première fois, le problème c'est que c'était en japonais donc. Alors là, on a tous les monstres, d'accord. Alors les seuls Dragon Quest que j'ai fait moi, c'est le 6, le 9 et le Dragon Quest Joker 1 et 2. Donc, tac. Ok, nanana. Ok, Jamiroz, Griffon. Ok. Non, je crois pas qu'il y ait de monstres de Dragon Quest X. Non, non, c'est trop tôt. Donc, main, attention à Soul. Mec, j'ai quand même découvert pas mal de monstres.
Ouais. Ah, Dragon. Ah, il y a un seul monstre de Dragon Quest World. Ok. Caravan Earth. Ok, non, dragon. Profond. Et aucun monstre de Dragon Quest 2 professionnel. Oh non, mon son. Bon, je vais voir si je peux essayer d'arranger ça. Okay. Oh là là. Toujours à faire des. Bon, désolé, hein. C'est l'émulateur, ça vient pas de moi. Bon, je pense que je peux accélérer ça. Ou il y a un décalage entre les écrans. Ça gâche un peu le tout. Mais bon. Un petit coup d'accélérateur dans le générique de fin. Il y a quand même du monde à avoir fait le jeu. To be continued. Ok, je sauvegarde. Ok. Et il reboot le jeu. Il revient exactement au même endroit. Voilà, et c'est la fin du jeu. Ok, normalement, on peut rejouer le championnat. Normalement. Ok, je crois qu'il faut parler à tout le monde, il faut remercier tout le monde ou un truc comme ça. Tu peux pas me laisser sortir? Non. Ah oui, je sais ce que je dois faire. Il y a des coffres, je crois qu'il faut que je les ouvre. Je crois bien. Et voilà. J'obtiens des objets. Là, il faut que je les ouvre tous. Et j'obtiens. D'accord. Ok. Je crois que c'est leurs meilleurs objets qu'ils me donnent. Et voilà, il y en a 4 ici.
Neutral Ground, ok. Falcon, je sais pas quoi. Positive Polar. Machine Part. Et voilà, c'est terminé. Je vais remonter. Non, j'ai oublié quelque chose. Non, pourtant. J'ai dû oublier quelque chose. Voilà. Je me disais bien. Une clandestine. Dans la même boîte en plus. Voilà, et je crois que maintenant on peut sortir. Et le capitaine n'est plus là. Alors maintenant il faut que je me souvienne ce qu'on doit faire après avoir terminé le jeu. Alors, bon, je vais aller voir. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Donc. Oula. Alors, si je me souviens bien, maintenant, on peut débloquer un boss optionnel. Mince, il est pas là. Bon, je récupère ce coffre quand même. Ouais. Alors, donc maintenant qu'on a terminé le jeu, les monstres sont beaucoup plus forts. On a plusieurs options. Faire le. Tiens, c'est bizarre cette musique ici. Voilà, on doit maintenant participer au vrai championnat du monde qui est organisé ici. Voilà, et l'arène se trouve là-bas. Voilà. Qui est enfin ouverte. Et on va affronter Patience ainsi que d'autres concurrents. Donc on peut le faire ma dès maintenant. Voilà. C'est pas lui qu'il faut parler. D'accord, il faut battre, il faut lui parler deux fois. Pourquoi moi ça fonctionne pas? Je comprends pas. Je dois aller là-bas. Peut-être il faut que je parle à ce monsieur. Ouais. Si j'ai bien compris, il faut que je parle à ce monsieur deux fois. Bon. D'accord, j'oublie une étape en fait. Il faut d'abord retourner voir le boss final du jeu, qui est devenu gentil entre-temps, vu qu'il a fusionné avec le petit monstre. Alors, Nécropolis.
de Nécropolis. On fait un zip. Mince. Bon, je lance un combat sans faire exprès. C'est pas grave. Oui, ils font mal quand même. Voilà, il est de retour là. On va lui parler. Voilà. Ah voilà, il améliore notre anneau qui permet d'avoir des monstres à trois emplacements. Avant, on ne pouvait pas. Ok. Et si on leur parle, je crois bien. Là, il nous ouvre un. Ah non, on doit l'affronter carrément. Ah mince, je crois que j'ai pas compris un détail. Bon, c'est grave. J'espère qu'on va pouvoir le battre sans problème. Mon équipe est normalement assez puissante pour l'affronter. Oh là là, il nous. C'est pas sympathique de faire ça. Hein. Bon, je fais quand même assez mal. Plus de 600 points de dégâts. 1200 points de dégâts. Ok, il nous fait un miroir. Ouh là là, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ok. On augmente encore son attaque. Allez. Ouch. je vais le mettre en support, hein. Ce serait peut-être mieux. Une barrière magique, très bonne idée. Si tu pouvais faire un soin, ça m'arrangerait. Alors si l'autre pouvait attaquer, voilà, 330 dégâts. Bon, bref. Ouf, c'est ça qui risque de faire mal. Ouais, ça fait mal. Oh là là. Plus il nous enlève notre. Et Gail, très bonne idée. Encore une barrière magique. J'accélère un petit peu le combat. Ouh non, mais il va me le tuer. Il me l'a tué. Bon. Voilà. S'il pouvait attaquer, ce serait bien. Quand même plus résistant que le boss final. Hein. Bon, tu devrais bientôt y passer. Hein. Oh là là, il nous a dispersé toutes nos protections. Un méga heal. Ok. Ouf, voilà. Ouf. Quand même, il nous donne pas mal d'XP. Et il est fini. Et on obtient une pièce. Voilà, c'est maintenant qu'on l'obtient. Ok, bla bla bla. Voilà, il nous ouvre une zone. Alors,
Ah mais non, je veux pas te parler. Cette zone, je vais juste y rentrer. Ah, on a tous les fantômes. Alors, on retournera au tournoi de Mister Toop au prochain épisode. Ok. Ok. On peut directement y aller. Allez hop. Et on arrive dans cette nouvelle zone. Alors dans cette zone, ce qui est bien, c'est que c'est en fait une sorte de gigantesque labyrinthe où il y a plein de monstres assez puissants. Donc c'est pas mal pour XP. Voilà. Alors, dans chaque salle, il y a un certain type de monstre. Par exemple, là, c'est les gluons. Et on peut avoir une salle, par exemple, que avec des dragons, comme ici. Et ce dragon, il me le faut pour me faire une certification. Oh là là, encore un monstre que je vais mettre 20 siècles à capturer. Mais ça va, ils font pas encore trop mal. Ok, allez, allez, rentre, rentre. Oh yes! Je suis vachement chanceux hein, quand même. Bon, je vais sauvegarder direct hein, parce que j'ai pas envie de perdre ce genre de monstre. Et je vais terminer l'épisode sur ceci. Et d'ici le prochain épisode, je débloquerai le boss. Enfin, je tenterai de débloquer le boss de cette arène. Et on se reprendra pour sa zone. À la prochaine!